Bien, bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui ici pour le grand final des Simpsons, le jeu. Je m'en fiche de pas être à la mode. Emily Dickinson ne l'était pas non plus. J'espère que vous êtes tous motivés, puisque là, on va s'attaquer à les deux dernières missions. Et après, à la fin, j'essaierai de vous proposer quelque chose, bien évidemment, en guise de... Ah, vous verrez bien. Donc, j'espère que vous êtes tous chauds. Ici, on va se diriger vers la maison du créateur. Donc, ça va être... Ça s'appelle 5 personnages. On a tellement de cartes d'accès que je me sens comme le gérant d'un hôtel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là, on y va, c'est parti. En plus, la maison elle est immense, on dirait le manoir Wayne. Allez, on y va. Bien joué! Vraiment bien joué! Flash info, une carte clé serait en fait une clé. Ok, je viens de lancer la mission, ça m'a sorti ça directement. Je vois pas pourquoi, mais bon. Pourquoi pas, on va dire. Pourquoi pas. Et après ça, on pourra passer à un autre jeu dont beaucoup de gens m'ont demandé de faire ce jeu-là. Ben, je pense qu'on le fera peut-être après. Enfin, vous verrez par la suite. Vous avez trouvé les cartes clés? Et combien de points avez-vous fait? Il y a plus de points dans les jeux vidéo maintenant. Plus de points? Mais alors comment on sait si on est fort à un jeu? Eh bien, on avance dans les objectifs de jeu. Ici, par exemple, nous avons collecté 4 cartes clés. 4 points, c'est nul comme score. J'ai fait 8 millions de points sur une borne d'arcade chez Pizza Hut une fois. Mais 4, c'est ridicule. Au fait, combien de vies ça vous a pris pour trouver ces cartes? Des vies? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben ouais, je suis mort plein de fois. Vraiment plein de fois. Heureusement que j'ai des vies infinies. Des vies infinies? Ce jeu est trop fastoche, c'est pas du jeu si vous pouvez jouer sans perdre. Le monde que j'ai connu est bien fini. Cyber camarade, nous devons obtenir les clés pour accéder à la demeure du créateur et lui parler. Notre ville se fait attaquer et nous on discute, alors on se dépêche. Eh ben, dans ces jeux vidéo, les niveaux sont de plus en plus fastoches au fur et à mesure qu'on avance, hein? Non. Bah oui, pas certainement. Allons-y. Allez-y, les gars, je veux voir vos initiales tout en haut du tableau de score. Ça m'étonnerait 4 points. Là, c'est la maison de notre créateur. On devrait lui casser la figure, saccager sa maison et faire pipi dans son jardin. Exact, viens, on y va. Oh, les gamins. C'est des gamins, franchement. Oh, c'est lui. Alors, ils veulent la guerre. Très bien, ils vont la voir. Violette, préparez les systèmes de défense spéciaux. Oui, monsieur Groening. C'est Matt Groening. Vous êtes sûr? Non.
Et en plus, c'est le vrai créateur des Simpsons en plus. Nom de macaroni, ce type est plein aux os. Au nom de la loi, je vous colle un procès. Et hop, c'est des coucous. Vous n'allez pas mieux que moi. Ce mec doit se croire meilleur que nous avec tout son argent. Allez, on va tout défoncer. Et hop, un strike. Faire un reality show dans les tribunaux. Attends, il y a des donuts. Même sa pelouse est plus belle que la mienne. Ce mec m'énerve déjà plus que Flanders. Oh merde. Non, d'un petit bonhomme, je vais vous tuer. Je ferai jamais. Attends. En fait, je vois là, on est en train de perdre des vies. Parce qu'en fait, là, ils sont un peu plus costauds. Donc, mieux vaut se mettre à l'abri. Ah, c'est parce que, en fait, ils font mal en fait. Il doit être heureux avec tout son pognon. C'est sûr. Voilà mon offre. Vous je vis. Vos costumes sont plus moches que la famille Flanders. Qui est donc ce fameux créateur? Eh bien, il s'agit sans aucun doute de l'homme qui nous a créés. Ouais, en effet. Mais attends, pour l'instant, on va explorer. Vite. Attends, parce que là, je suis en train de perdre masse de vie, là. Laissez-moi rêver deux secondes. J'aimerais bien être riche. Oh, merde. Merde, attends, parce que là je me concentre, hein. Je parle pas, désolé, hein, mais je me concentre parce que regarde-moi ça, le monde qui a là. Ah, il s'arrête là-bas en plus, hein, il bouge pas, donc ça va. Putain, mais on se croira vraiment chez Bruce Wayne, quoi, quand tu vois tout ça, on dirait chez Bruce Wayne. Ok, c'est bon. Bien être riche comme lui, mais je préfère un lécher mot. C'est marrant ça. Attends. En fait, c'est mieux faire ça parce qu'en fait, je pense que si tu fonces comme un bourrin. Les avocats sont synonymes d'un tas de problèmes. La déco me rend nerveux dans le coin. Voilà. Je vais vous tuer, puis-je l'aider la légitime défense? J'aime bien. Attends. Les avocats mayonnaise, mais merde. Type comme vous. Oh putain. Voilà. Je suis en sécurité. Quoi ces fleurs? Ça se mange? Ah, Homer Lake, oh putain. En plus, c'est les avocats de Burns, là, c'est les plus chiants. Ok, on peut bouger. C'est bon, la porte est ouverte, je l'avais même pas vu. Super beau, en tout cas, honnêtement. LOL, la fontaine. C'est marrant. Allez, on y va. On se dirige vers la porte. Ah. Attends. Ah, ok. Je dis pas qu'il me faut refaire le générique. Mais j'aime pas cette musique. Oh, il refait le générique. Ils ont refait le générique. Oh, ça c'est vraiment un jeu fait par des fans, franchement. Je parie que notre créateur ressemble à Godzilla en plus grand et qu'il a
pas dessin et qui crache du feu. Raté. Votre créateur est le créateur de dessin animé le plus aimé au monde. Seth MacFarlane ? Ah ! Dites bonjour à mes nouveaux amis. Oh, oh. Snap. Je les connais ces deux-là, ils sont dans Futurama. Alors, génie diabolique. Vraiment bien joué. On dirait une imitation de Lex Luthor. Ouais, je dirais pas ça. Alors c'est lui notre créateur ? Il est où le coco ? Il est là-bas. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Oh putain ! Attends, c'est de l'or ? Heureusement que je peux passer là. Fais-moi la paix. Alors il y a un épisode, je crois, où... Pourquoi ai-je donné mon accord pour ce jeu stupide ? Il y a un épisode, je m'en rappelle, où... comment dire... Homer et ses potes avec ce robot là, je sais plus comment il s'appelle le robot. Attends, il faut barrer. Mais non ! Je t'avais pas demandé de descendre, hein, espèce d'idiot. Là. Je suis docteur en massacre humain. Eh bien, on s'en fout. C'est celui que j'aime le moins dans Futurama. Ah ben voilà, tu vois, il l'a dit, Futurama. Je suis maître Hama. T'es plus moche qu'un crabe sur Echa. Comment je fais pour passer ? Pour fêter votre vol, la caisse à volonté. On s'incline devant un hyperbe. Et puis cache-toi, fous-moi la paix. Ah ok, il y avait un autre emplacement pour Grappin. D'accord. Je n'avais point vu. J'aime pas trop la déco ici, ça fait peur. Allez hop. Perds ta vie, connard. Ouais, ah putain, avec les billets, je vois rien. Eh bien, je m'en fous. Donc, il me faut, Homer. Je vois rien en plus, hein. C'est ça le pire, hein. Je ne vois rien. Mais j'ai sauté, enfin. J'ai fait vous pincer vos petites fesses. Mon derrière est cabossé. Je sais que ça fait cliché, mais... J'ai sauté. J'ai appuyé sur la touche, bordel de merde. Mais putain! Merde, les foirés. J'ai eu beaucoup de soucis sur la chaîne pour enfants. Sérieux ? Non mais... Oh là là, ça va m'énerver. Ça va m'énerver, quoi. J'ai pris une morceau de viande. Je vais faire éclore mes yeux dans vos grands gardiens. Extermination. Extermination. Vous allez m'occuper de vos matricules. C'est ta mère la matricule. Je pense à des pâtisseries. La première loi de la robotique selon Asimov. Ah merde! Putain, désolé si j'ai gueulé. Les meilleurs. Tous les humains vont y passer. Vous les premiers. Ah, le petit coup de pied qu'il a fait. Plus fort en DVD. Ça fait sa gueule. Le métal est plus résistant que les os. Je vais faire comme dans iRobot.
Vous allez voir. J'exige. Oh là, j'ai eu. Et tant. Faites revoir un jour, même dans les sources du tableau et votre chaleur. Dans le mille, ça fait mal, hein. Il faut barrer. Je m'en vais. Je vais me faire un resto 4 étoiles. Il est où, Bart? Ah putain. Ouais, enfin, j'ai envie de dire. La musique, c'est pas la même que dans le niveau 2. Cet endroit est incroyable. Je sais même pas ce que je vais cacher en premier. Là, je sais pas si je vais la voir. Si j'ai eu. Eh hey, les humains, vous tombez. Allez hop, prends ça dans ta gueule. Oh, ça brûle, ça brûle. Ah, ils sont tous morts. Oula. Ok, Homer. Tu vas devoir porter le coup final. Je connais des tas de pauvres qui aimeraient bien vivre là-dedans. Et boum dans la blée, en pleine poire, du premier coup. Ça c'est bien qu'ils ont pensé à Matt Groening. Je pensais qu'ils allaient mettre un imposteur, mais non, ils ont mis le vrai. Bart, papa, vous venez de vaincre votre propre créateur. Les implications philosophiques de votre acte vont faire se retourner Eugène Ionesco dans sa tombe. T'as marqué un point de provocation, Lisa, et en plus, t'as pleu. Elles sont cons. Arrêtez de taper le monsieur qui vous a dessiné. C'est pas gentil. Oui, madame. Oui, madame. Merci de m'avoir sauvé, madame. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Monsieur Groening, comment avez-vous pu nous trahir, nous, les fruits de votre imagination, et nous vendre à tous ces jeux vidéo affreux dans lesquels il fallait mourir encore et encore et courir tout le temps? Je te jure, Lisa, je ne savais pas qu'il serait aussi affreux. Si j'avais su, j'aurais juste collé vos têtes sur des tasses, des t-shirts, des bonbons, des assiettes, des jeux, des chewing-gums, des frisbees et des serviettes de plage hyper douces. Et maintenant, si vous voulez bien m'expliquer... Bouton d'autodestruction du moteur de jeu. À bientôt, bande de cloches. Merde. LOL. Ici en même temps. Oh, ce niveau était très court, honnêtement, je trouve. Bon, ben, maintenant, ça va être au tour du grand final. Parce que je pense qu'il reste une mission, il reste un niveau. Mais je ne sais plus à quoi ça ressemble, en fait. Bon, on va le découvrir, de toute façon. Hein. Après tout, c'est le but de la vidéo. Hein. La sapience n'a pas prévalu. J'ai déshonoré mes ancêtres. Le portail de Springfield est le seul qui tient le coup. Venez tout le monde, on retourne à Springfield. Tenez bon, je reviens tout de suite. Pour l'amour de Sauron, pourriez-vous... Hein oh. Merde. Je suis content que ce soit fini. Qu'est-ce qu'on mange, Marge? J'espère qu'on a des spaghettis. Let's go! Homer, on se fait encore attaquer. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à prier Dieu. Oui, maman, c'est ça. Nous devons parler à Dieu. Lisa, qu'est-ce que tu fais? C'est pas sûr par ici. Je vais utiliser la main de Bouddha pour construire une tour à l'écart de Springfield afin de rentrer en contact avec la seule personne capable de surpasser l'autorité de notre créateur, Dieu. Lisa, tout le monde sait que Dieu n'aide que les puissants de ce monde. Ah ok, elle prend les bâtiments pour faire une tour. Un escalier pour le paradis. Génial. J'espère que les magasins sont pas fermés. J'espère que t'as pensé à les remettre en place, Lisa, après. Non, parce que là, ça ressemble plus à Springfield. Qui est là?
Levez-vous et présentez-vous. C'est quoi ce délire? On veut passer. Papa, je crois que c'est Shakespeare, le barde d'Avon. Ouh, j'adore Shakespeare. De grâce, cessez vos conseils qui tombent dans mon oreille avec aussi peu de fruits que l'eau dans un crible. Hé, c'est une blabla, la John Grisham. Le voici Yorick. Ce charmant personnage va vous botter le cul. Genre, on se bat contre Shakespeare, sérieux? Fais le chuter de son nuage. Non, mais je suis en train de le spammer là. Oh! Fils de pute. On se bat contre Shakespeare. Le monde est une scène. Hey, oh! La leçon d'une nuit ratée. Tiens! On sort en pleine poire, Shakespeare. Je vais vous apprivoiser, espèce de mégère. Je vais confronter Francis Bacon. Putain! C'est lui qui a écrit vos pièces. Et là, tiens, je te spam. J'aurais aimé avoir écrit plus de livres. Allez hop, dégage Shakespeare, dégage. Ah, on est tous ensemble. Oh super, si on est tous ensemble. Donc on est au paradis maintenant. On va voir Dieu. Oh putain, non, pas eux. Original. Le même méchant mais m'habillé différemment. Quelle arnaque. Putain, là on se prend tous les ennemis qu'on a eu depuis le début du jeu en fait, je pense. Tiens, dégage-toi. Merci beaucoup. Ah ouais, on voit les bûcherons et tout. Prosternez-vous devant vos maîtres. Unique. Le spa n'est pas responsable des blessures infligées aux objets. Ah, passons pour grappin, j'ai vu. Ok, c'est juste pour récupérer un objet. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Ok, il faut descendre. Alors... Tout traitement doit être annulé 2 heures à l'avance pour être remboursé. Ok, donc ça va être sur un jeu de plateforme. Ok, on va se concentrer, parce que je ne tiens vraiment pas à tomber et à descendre en enfer. Et voilà, j'ai fait la connerie. La connerie qu'il ne fallait pas faire. Là. Ah, merde. Mais en même temps, avec cette caméra, comment tu veux te concentrer sur un objectif? Oh putain! Bon, je regarde aux alentours. Le port des sandales est obligatoire dans les douches du paradis. Ce que j'ai fait, ça servait à rien alors. C'est pas avec commerce. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai loupé? Les dauphins sont interdits dans les bains. Qu'est-ce qu'il me raconte? On va revenir sur nos pas. Voir si je n'ai rien oublié. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que pas j'ai loupé? Pas de nourriture rapportée au paradis.
Qu'est-ce que j'ai loupé ? Est-ce que j'ai le temps pour un petit massage aux pierres chaudes ? Je vais l'avoir un moyen alors. Le paradis est zen, ça me plaît. Ok. Oh, c'est moi. Je vais tenter un truc. Pas sûr que ça a fonctionné. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si on retournait de l'autre côté, peut-être qu'il y avait quelque chose que je n'ai pas vu. Genre ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu ? Dieu bénit les clients qui donnent un pourboire. Contourner ici. On s'est pas contourné. Oh putain, il y a eu, je les ai même pas vus. Il doit y avoir un interrupteur dans le coin là, c'est pas possible. Attention, Satan apparaît parfois dans le hamar. Oh putain, il y a des gardes partout, j'ai peur. Putain, par contre là, je me suis pris une belle. Je vous en prie, quoi. Vous me faites chier là. Tu vas mourir, oui. Oh là là. Fête du homard dans la salle à manger Bibi. Oh non, encore ces deux. Prendre Bart. Pourquoi j'aime bien jouer avec Bart. Donc c'est lui qui peut attaquer de loin. Oh, il y a des tirs. Les bruits des tirs, c'est des blasters de Star Wars. N'oubliez pas de visiter notre salle d'arcade classique. Tiens, je vous dis dessus, donc. Voilà, on est revenu de côté. Richard, j'ai l'impression d'être à poil. Ah, j'ai compris. Là-bas, il y a un interrupteur et je pense que c'est à là qu'il faut Homer. À mon tour. Ok, j'ai compris. Hey, le paradis a l'air de la pré-rasage. Wow. Ouais, j'ai foiré. J'ai foiré. Mais j'ai compris, c'est ça en fait le principe, non ? Attends, je vais vraiment. Je vais mettre de dos, voilà. Pour adulte sur demande, discrétion assurée. Voilà. Voilà, on active ça. Voilà, les portes du paradis sont ouvertes. Les autres vont venir, je suis sûr. Ben, Lisette est la plus rapide. On regarde Bart. Les personnes portant un slip chaud. Allez, hop, on attaque. Oh, il y en a une grosse. Il y en a une grosse. Je suis en mode de Terminator, les mecs. Ah non, j'ai coupé en fait. Attends. What? Oh, c'est ça en fait. Les huiles de massage, le choix des dieux, sont disponibles dans notre boutique de souvenirs. Voilà, j'ai réussi. C'est quoi maintenant? Genre les dauphins. Allez hop, prenez ça dans vos gueules, prenez ça dans vos gueules, prenez ça dans vos gueules. Dieu fait, il est
connerie. Ah, attends. Là, je pense que là, il faut Bart. Voilà. Il doit avoir un interrupteur quelque part. Voilà, va, t'es chiant. Voilà, dégage. Ah non, la porte est là-bas. Donc c'est pas par là. Ah, c'est un sauna, là. Les extraterrestres doivent se doucher avant d'entrer dans la piscine. On doit se doucher avant d'entrer dans la piscine. Sérieux? Je suis désolé, à chaque fois que je partais en vacances, c'était l'inverse. Tu pouvais aller dans la piscine sans que tu t'es obligé de te laver, quoi. Ok, il me faut Homer. Voilà. Ok, allez, on y va, c'est parti. On va continuer. Skybuck Coffee, ah, c'est un Starbucks. C'est un Starbucks, ça, non? Ah, il y a des trucs, donc ça, il me faut Marge. Ok, ok. Ok. Faisons-moi ça. Au moins, 4 qui sont capables de. Ah! Ah, c'est Benjamin Franklin, non? Waouh! Benjamin Franklin, mon idole de l'intellect! S'il vous plaît, laissez-nous passer, nous devons voir Dieu! Pas question, Lisa! T'es encore plus lèche-botte que Thomas Jefferson! Ici, je suis juge, jury et bourreau! Vous allez voir que le paradis, c'est parfois l'enfer! J'ai jamais entendu parler de vous. Je suis si mince qu'on pourrait me taxer. Attends, où est-ce qu'il est? Alors, t'éclate. Oh, genre, il se multiplie maintenant? Oh, je me suis assis sur mes lunettes. Franklin n'est pas une petite tortue idiote, mais un père fondateur. Oh! Oh bah putain, je l'ai pas vu venir celle-là. Et Nelson, ferme ta gueule, j'ai pas besoin de tes commentaires. Putain, on s'est fait éclater la gueule par un ancien. Il était quoi, Benjamin Franklin? Il était pas. Non, il était pas président. Hein. Wouah, t'es sérieux? Wouah, t'es sérieux, je vais tout faire. Les fils de pute. Ah ouais, ce niveau-là est compliqué alors. Hein. Ah, mais Benjamin Franklin, quoi, quand il nous a retourné la gueule. Non, oh non, putain, oh les voleurs. Voilà, tu viens. Partez là.
Toi... Ah, j'allais dire, toi, ma parole, tu vas dégager. Comme il faut marcher cette fois. Putain, et Benjamin Franklin, comment il m'a retourné la gueule comme pas possible. Génial. Enfin. Passez. Passez. Voilà, merci. Tiens, regarde ça, voilà, je l'enchaîne, je l'enchaîne. Voilà, je l'enchaîne. Là, regardez ça, je l'enchaîne cette fois, je l'enchaîne. Je me plaindrai à George Washington. Bah les couilles, t'écoutes. Oh putain, non, il se rétrécit encore. Non, mais c'est une blague, franchement, il se rétrécit encore, quoi. Oh, ça va m'énerver ce passage, ça va m'énerver, quoi. Putain, t'es sérieux, tu me fous même pas un point de sauvegarde à ce passage-là? Bah non, non, mais non, c'est trop simple, hein, sinon. C'est trop simple là parce que sinon c'est beaucoup trop simple. Ah pour le faire va vite, allez. Et la barre, c'est parti. Je vais rester là. Je vais rester en tant que Bart. Je vais rester là. J'ai pas bougé. De merde, quoi. Non, mais ce vol là. Oh. Bon allez. C'est moi. J'attaque Bart. La première fois que je l'ai eu là, je lui ai bombardé. Là, regarde, je le bombarde, je le bombarde. Je me replie. Non, toi, c'est de la triche. C'est de la triche, franchement, c'est de la triche. Genre, le dauphin, il sort d'où là? Bah, il vaut mieux tourner en rond. Prends ça dans ta gueule, prends ça dans ta gueule. Merde. J'ai plus de flèche.
rêverais à George Washington. Rien encore un. M'écoute, m'écoute. Ça y est, j'ai réussi. Putain, 3 tries pour cette merde, hein. 3 tries. 3 tries pour ce bordel. Bon allez, on va aller voir Dieu maintenant. Je vais le voir en tant que Batman, moi. Oh, un escalator en plus. LOL, il joue aux jeux vidéo. Oh là là. Dieu ne nous donne pas un très bon exemple. Tu m'étonnes qu'on n'ait jamais vu Dieu avec une copine. Il y a quelqu'un? J'ai pas d'argent chez moi. Dieu, c'est nous, les Simpsons. Vous avez joué avec nos vies. Il faudrait que vous arrêtiez ça quand même. Notre ville, notre famille et nos amis souffrent tous bien trop. Ouais, Dieu, avant vous étiez cool. C'est pas parce que je joue aux jeux vidéo que je ne suis plus cool. Vos regards gênés ne plaident pas en votre faveur, bande de nazes. Wesh, c'est quoi ça? LOL, c'est un Just Dance? Quoi? Quoi? J'ai appuyé sur les touches? J'ai appuyé sur les touches? C'est quoi ce bordel? Ah, ça va. Il me remet pas avec Benjamin Franklin à la bonne heure. J'ai compris comment ça fonctionnerait. Et je connais cette musique en plus. C'est comment ça s'appelle le groupe? C'est Rock Like a Hurricane, un truc ainsi. Le titre s'appelle ainsi. On m'a défoncé la PlayStation. Ah non, c'est la Xbox. Rock you like a hurricane. Here I am. Rock you like a hurricane. Rock you like a hurricane. Here I am. Allez hop. Là oui maintenant. Bravo. Tu as blessé. Il y a combien de manches là? Attends, il avait parlé de ma mère là. Allez hop, je l'ai défoncé. Hein? Ah, ça va. Très bien, loser. Soit vous arrêtez la destruction de notre ville et vous nous donnez des réponses, soit vous dites adieu à ces sauvegardes. Non, mes sauvegardes. Arrête, j'en suis au dernier boss d'Oblivion. Je vais pas tout recommencer depuis le début. Ok, je ferai ce que vous voudrez. J'en étais sûr. Oh, merci, merci, merci. Très bien. Dieu, hein, c'est ça. Il est temps de nous donner des réponses. Qui sommes-nous? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Vous êtes des personnages de jeux vidéo. Vous avez été conçus par des fondus d'informatique, des geeks, afin d'obéir aux ordres d'autres geeks qui passent leur vie dans leur chambre. Ça, on le savait, Andouille. Ouais, expliquez-nous plutôt le sens de la vie. Ok, c'est geeks qui vous commandent. Le problème, c'est qu'eux aussi font partie d'un jeu vidéo. Vous voyez, la planète Terre est mon jeu le plus abouti et le plus détaillé jusqu'à présent. J'y joue 24 heures sur 24, c'est génial. On peut sortir de sa voiture, fonder une famille, et même remettre au goût du jour un vieux jeu complètement périmé pour les acharnés. Alors les Simpsons, le jeu, votre jeu, n'est rien d'autre qu'un mini-jeu au milieu de mon jeu sur la Terre, finalement. Alors comme ça, non seulement nous ne sommes pas vrais, mais nous sommes en plus les personnages de l'un des mini-jeux d'un jeu vidéo. Et les joueurs qui nous contrôlent ne sont que les personnages de votre grand jeu à vous. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel jeu.
La planète Terre a reçu une note de 96 dans Metacritic. Mais pourquoi vous m'avez laissé trouver le manuel d'instruction à Springfield? Ça doit semer la pagaille dans tout le système. Oh que oui, c'était un accident regrettable. Comment on contrôle la caméra dans ce truc? C'est avec les sticks gauche et droit, non? Et puis zut, je vais me prendre une bière. N'importe quoi. Les Simpsons, le jeu. Alors, voilà. Vous voyez? Oups. Oups, n'a rien à voir là-dedans, monsieur. Mon visage est plus pur que tout ce qu'on peut imaginer. Il va falloir tout remettre en ordre. Relax, relax. Mon Dieu, je suis hyper, super, méga désolé pour tout ça et je suis pressé de finir Oblivion pour passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Rendez-nous notre bon vieux Springfield! Et laissez-nous nos super pouvoirs! Améliorer les conditions de travail des personnages de jeux vidéo! Donnez-moi droit à trois vœux! Très bien, très bien, je vais faire tout ça. Et je vais même rendre les jeux moins dangereux pour les personnages, car je trouve que les jeux sont devenus trop violents. Hein? Dieu, j'aurais juste une question. Vous ne pensez pas être vous-même un personnage de jeux vidéo? C'est... complètement idiot. Je veux dire, arrête de faire l'imbécile. Waouh! C'est n'importe quoi. Papa, je crois qu'on me regarde. C'est n'importe quoi, franchement. C'est n'importe quoi. Alors, 9 minutes, moins 22. Oh, bah, je suis désolé, hein, si Benjamin Franklin était aussi chiant à ce point, c'est pas de ma faute, hein. Ah oh bah j'ai rien trouvé, excusez-moi. What? C'est terminé à 58%. Trouvez tous les objets cachés d'un épisode pour débloquer des trophées. Trouvez les 300 objets cachés dans Springfield pour débloquer de nouveaux trophées spéciaux. A chaque fois que vous gagnez 6 trophées, la jauge de pouvoir de toute la famille augmente. Collectez tous les trophées du jeu pour que les jauges de pouvoir n'aient plus de limite. Relevez les défis chronométrés de chaque épisode. Battez le temps de référence. Ah oh ouais, enfin je m'en fous. Et du coup, on a fini le jeu. Normalement, oui, on a fini le jeu. Parce qu'ils me disent qu'on a terminé le jeu. Ah bah ouais, on se fait plus attaquer. Ah bah c'est génial. Donc voilà, c'est ce qui marque la fin de mon let's play sur les Simpsons, le jeu. J'aurais juste une chose à vous demander. Est-ce que vous voulez que... Bah attention, je le mettrai en sondage sur ma chaîne. Le capitaine McAllister adore mes tagliatelles aux fruits de mer. Bon, on va plutôt être dans la maison parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Là, on va se mettre ici, c'est mieux. Est-ce que vous préfériez que je fasse encore un épisode sur les Simpsons, mais de manière détente? C'est-à-dire qu'on récolte 2-3 objets dans la ville pour le fun? Ou alors, est-ce que vous préfériez que je passe au prochain jeu qui est Lego Batman, puisque vous avez été beaucoup à me demander de faire ce jeu? Eh bien, j'ai écouté vos avis et on va faire ce jeu-là pour le prochain Let's Play. Mais c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez que je fasse encore un épisode sur les Simpsons en mode détente? Ou si vous préfériez que je passe directement à Lego Batman? Voilà. Voilà. Au pire, comme j'ai dit, je ferai un sondage. Je ferai un sondage où vous pourriez choisir, et puis voilà quoi. Et puis, soit cette semaine ou la semaine prochaine, je ferai on verra bien. Donc, j'espère que cet épisode final sur les Simpsons, le jeu, vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir pour tous ces épisodes. Et si, bien évidemment, le Let's Play vous a énormément plu. Aussi, après le like, bien évidemment, pensez aussi à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, parce qu'il y en a vraiment pas mal qui regardent mes vidéos mais qui ne sont toujours pas encore abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est maintenant. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand Big Smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut.